Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Alors de base, c'était pas du tout prévu que je vous fasse cette vidéo, puisque je vous en ai déjà parlé sur TikTok, je vous en ai également parlé sur Instagram, donc je me suis dit que tout le monde était à peu près au courant, sauf que je sais que mes abonnés YouTube ne me suivent pas spécialement sur mes réseaux. D'ailleurs, allez me suivre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Après réflexion, je me suis quand même dit que j'allais en faire une vidéo parce que je me dis que ça peut être intéressant pour plein de gens, afin de réaliser que tous les modes de contraception ne conviennent pas à tout le monde. La raison aussi pour laquelle j'ai pas voulu faire de vidéo YouTube sur le sujet dont je vais vous parler, c'est parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de choses à dire pour en faire une vidéo vraiment complète. Mais je me dis que au-delà de tous les effets indésirables que j'ai eu avec mon nouveau mode de contraception, je peux également vous parler de tout l'aspect psychologique, tout ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera, vous plaira, vous divertira. En tout cas, moi je vais vous partager mon expérience avec la pilule de l'enfer right now. Je tenais à préciser que là, je vais vous partager mon expérience avec une pilule que j'appelle la pilule de l'enfer, seulement parce qu'elle ne m'a pas convenu à moi. Mais c'est pas parce qu'elle ne m'a pas convenu à moi qu'elle ne va pas convenir à toi, qu'elle ne va pas convenir à vous qui regardez peut-être cette vidéo. Chaque corps est différent, réagit différemment. Il y a plein de personnes qui vivent très bien avec la pilule dont je vais vous parler, donc ne devenez pas parano pour rien. Tout d'abord, on va revenir en arrière sur toutes les contraceptions que j'ai prises. Tout d'abord, j'ai commencé avec les préservatifs au tout début de ma vie sexuelle, puisque j'avais pas vraiment de partenaire régulier, je divaguais un petit peu, donc le préservatif c'était le mode de contraception le plus sûr dans ce cas-là, puisqu'il protège des maladies et également du fait d'être enceinte. Ensuite, je me suis mis en couple avec mon copain actuel en 2017, et c'est au tout début de notre couple du coup que j'ai voulu passer à un moyen de contraception assez différent, parce que je me sentais vraiment très bien avec mon copain, je savais que ça pouvait durer, et du coup j'avais envie de passer un cap, c'était de faire l'amour sans préservatif. À ce moment-là, je m'y connaissais vraiment pas en contraception. Dans ma tête, je crois qu'il y avait que capote et pilule. Enfin, je pense que je savais qu'il y avait d'autres contraceptions qui étaient possibles, mais vu que je les connaissais pas assez, que je connaissais un petit peu personne dans mon entourage qui en utilisait, qui en avait, j'ai préféré opter pour la solution basique qui est la pilule. Donc à ce moment-là, j'ai pris la Lilouge. Et bien évidemment, avant de commencer à avoir des rapports non protégés, moi et mon copain, nous sommes tous les deux fait dépister afin de s'assurer que l'on n'avait aucune maladie. Donc faites très attention à ça, c'est hyper important, et également faites attention à le faire avec un partenaire de confiance qui ne va pas aller picorer un petit peu partout, parce que ce serait pas très sympa qu'il vous ramène ses maladies de merde. Du coup, j'ai pris cette pilule pendant 3 ans. Ça s'est très bien passé, il me semble pas que j'ai eu d'effets secondaires. J'en garde en tout cas un très bon souvenir. Le seul truc qui me saoulait avec la pilule, c'est que j'avais tendance à l'oublier. Et du coup, c'était ça qui me convenait pas. Même le fait de devoir attendre une semaine pour pouvoir baiser parce que t'as oublié une pilule pendant plus de 12 heures ou je sais plus combien exactement, ça me faisait chier. Vraiment, ça me saoulait parce qu'il y avait trop de moments où je devais attendre, et j'ai pas que ça à faire d'attendre en fait dans ma vie. Je veux des zizi quand je veux. Du coup, j'ai voulu changer de moyen de contraception et j'ai opté pour le stérilet en cuivre, puisqu'en plus de protéger tout le temps sans avoir à prendre un cachet ou quoi que ce soit, c'est une contraception non hormonale. Et ça, c'est hyper hyper cool, puisque les hormones, je pense que vous le savez, c'est assez connu, c'est pas du tout bon pour le corps et ça peut dérégler beaucoup beaucoup de choses, autant psychologiquement que physiquement. Donc je me suis dit que ça pouvait être que bénéfique pour moi. Malheureusement, je n'ai pas supporté le stérilet en cuivre. Je vous ai expliqué pourquoi dans ma vidéo que je vous mets dans le petit i. Du coup, j'ai décidé de me le faire retirer après 2 mois et demi. Et après, j'ai discuté avec ma sage-femme de tous les autres moyens de contraception qui existaient afin d'en choisir un nouveau. Et de ce fait, je me suis dirigée à nouveau vers la pilule. Et ce n'est pas pour rien. Je le répète encore une fois, parce qu'il y a plein de gens sous ma vidéo sur le stérilet qui m'ont dit « Oui, mais fais-toi poser un implant, l'implant c'est génial !» Ou alors qui m'ont parlé des autres moyens de contraception. Je sais qu'ils existent, les gars. Si j'ai pas choisi ces moyens de contraception-là, c'est parce qu'ils ne m'attirent pas, c'est parce qu'ils ne me conviennent pas, c'est parce que j'ai peur de les utiliser aussi, genre par exemple l'implant. Moi, ça me dégoûte, mais de fou, de me dire que je vais avoir une barre dans le bras et que je peux le toucher. Et du coup, je suis passée à la pilule, et à ce moment-là, ma sage-femme m'a prescrit la Octidril. La fameuse pilule de l'enfer, la fameuse pilule du diable en personne, la fameuse pilule 666.
6. Le seul avantage d'ailleurs avec cette pilule, qui est très important à identifier selon moi, c'est que c'est une pilule en continu. Et ça, ça m'a vachement aidé à ne pas l'oublier. Déjà, je pense que mon mode de vie correspond plus à la pilule aujourd'hui, puisque je reste chez moi tout le temps pratiquement. Alors qu'avant, j'avais plus tendance à bouger, donc des fois j'oubliais ma pilule chez moi alors que j'étais en soirée. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était surtout dans ce genre de cas que j'oubliais ma pilule. Alors que maintenant, bah, vu que ma pilule elle est toujours chez moi et que moi je suis toujours chez moi, c'était très rare que j'oublie ma pilule, même je crois que je l'ai pas du tout oublié, ou peut-être une fois. Et ouais, le fait de pas avoir de période d'arrêt, ça te permet de pas t'embrouiller en mode ah, mais quand est-ce que j'avais terminé ma pilule déjà? Genre, je sais plus exactement quand est-ce que je dois la reprendre, et du coup, ça te dérègle tout. Et après, tu te rends compte en fait plus tard que t'as pris ta pilule trop tard, et que du coup, bah oh là là, t'as des risques de tomber enceinte, enfin trop chiant. Donc, le continu, c'était vraiment hyper pratique. Je prends la petite ordonnance, je vais à la pharmacie, je récupère la petite pilule au petit drill, et puis je commence la prise. Au début, tout se passe très bien. J'ai envie de dire normal, puisque il faut que le temps s'adapte aux hormones. Donc, généralement, dans les 3 premiers mois de la prise de la nouvelle pilule, t'as pas vraiment de changement, puisque le corps n'a pas encore eu le temps de s'adapter à toutes ces hormones. Et à ce moment-là, j'étais pas trop renseignée sur ça. Je pensais que j'allais voir peut-être des changements dès le début. Et du coup, j'étais assez rassurée de voir aucun changement physique sur mon corps, parce que je vous avoue que j'avais un petit peu peur de voir mon corps changer, mon corps grossir. Surtout que j'avais déjà pris du poids avec le deuxième confinement, donc j'avais pas envie d'exploser tous mes jeans. Et pourquoi j'avais peur de cette prise de poids? C'est parce que je savais que la pilule au petit drill était plus dosée que la Lilou G. La Lilou G, je n'ai pas du tout grossi, je crois que j'ai même maigri avec cette pilule là. Et du coup, du fait qu'elle soit plus dosée, logiquement dans ma tête je me suis dit, il y a plus de chances que je prenne du poids. En plus, je crois que ma sage-femme me l'avait confirmé, mais elle voulait absolument me prescrire cette pilule parce qu'elle m'a dit justement c'est plus dosé, donc c'est censé être plus efficace. Je lui ai fait confiance, elle m'a dit qu'il n'y avait pas tant d'hormones de plus, donc je me suis dit vas-y, je vais tester, au pire si ça me convient pas je peux toujours changer. Du coup, je vous l'ai dit, au début je voyais pas de changement, mais j'ai quand même repris le sport à peu près au moment où j'ai commencé à prendre la pilule au petit drill, parce que j'avais envie de perdre le poids que j'avais pris lors du deuxième confinement, et parce que j'avais aussi envie d'adopter un mode de vie un petit peu plus sain, notamment avec cette nouvelle prise d'hormones. Donc j'ai commencé à faire du sport régulièrement, 4 à 5 fois par semaine, à essayer également de manger mieux. Bon, au début c'était un petit peu compliqué, mais j'ai jamais eu une alimentation vraiment pourrie, hein. Juste c'était pas le plus sain, quoi. Mon corps n'a pas changé malheureusement, mais je me suis dit je continue quand même à faire du sport, parce que si j'en fais, il y a peu de chances que je prenne du poids, quoi. Donc voilà, j'avais quand même du mal à rentrer dans les jeans dans lesquels je rentrais l'été d'avant. Ça me faisait chier, mais en vrai ça allait, j'avais pas vraiment de soucis avec mon corps à ce moment-là, parce que j'avais même pas remarqué que j'avais grossi. Les seuls moments qui me rappelaient que j'avais grossi, c'était quand j'essayais de mettre mes jeans préférés que je mettais pendant l'été, encore une fois. Et après, je me suis imposé un petit défi, donc avec la marque Mini Weight, j'ai fait une sorte de rééquilibrage alimentaire pendant 2 semaines, avec l'objectif de rentrer à nouveau dans mes jeans. Donc je vous mets la vidéo où je vous parle de tout ça dans le petit i si vous voulez. Le programme que j'ai testé m'a fait vraiment beaucoup de bien, parce que il m'a vraiment appris à manger mieux. Donc après ce programme là, donc je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai fait, je vous mets les dates environ sur l'écran, j'ai commencé vraiment à manger beaucoup mieux, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus sainement qu'avant, bien qu'avant, encore une fois, j'avais pas une alimentation pourrie, c'est juste c'était pas la plus saine. Et du coup j'étais vraiment super fière de moi, parce que je faisais du sport, je mangeais bien, j'étais en mode waouh, bravo Maëva, tu as un bon mode de vie. Et après, c'est pas parce que moi j'étais contente d'avoir ce mode de vie qu'il faut absolument que vous adoptiez le même, hein. J'ai pas envie que ma parole soit mal interprétée, parce que les gens ont souvent tendance à mal interpréter les paroles des gens. Moi, ça me convenait, mais faites ce que vous voulez les gars. Dans ma vidéo où je vous parle du fameux programme, on voit que je rentre quand même dans mon jean préféré. Je suis juste serrée dedans, mais je rentre dedans. Et là, je crois qu'on était en juin. À un moment, je voulais faire des vidéos pour la marque Mini Weight, encore une fois, donc oui, on était en juin. Je veux mettre le jean dans lequel je voulais rentrer pendant que je testais le programme, pour faire une suite logique, tu vois. Et là, ben, je me rends compte que je rentre pas dedans. Je ne rentre plus dedans. Et j'étais en mode... Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que j'ai pris du poids alors que je mange bien, alors que je fais du sport? Sur le coup, ça m'a choquée, parce qu'en plus, encore une fois, je ne l'avais pas remarqué. Mais vraiment, genre moi, je grossis, je m'en rends pas compte, c'est un truc de fou. Et du coup, je réfléchissais, je me disais, attends, déjà que le jean, il était trop serré pour moi, donc ça veut dire que j'avais pris une taille de jean, là, je rentre plus dedans, ça veut dire que j'ai pris minimum 2 tailles de jean. Sur le coup, ça m'a vexée, alors que je faisais vraiment attention de pas rentrer dans mon jean, quoi. Et après, j'ai commencé à être un peu plus énervée, parce que je me disais, mais c'est pas possible.
c'est pas normal. Comment j'ai pu prendre autant de poids aussi rapidement? Et là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais c'est ma pilule, c'est obligé, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Parce que, encore une fois, c'est pas logique. Genre, comment tu veux prendre du poids en mangeant sainement, en faisant du sport? Ça marche pas, ce n'est pas compatible en fait. Donc ce jour-là, j'ai pris la décision déjà que j'allais arrêter la pilule, que c'était fini, je veux plus de cette pilule. Je voulais quand même reprendre la pilule après, mais une moins dosée, la moins dosée même de la France entière, du monde entier. Je veux plus cette pilule-là en tout cas. Donc je crois que le jour même, j'ai appelé le campus où il y a ma sage-femme pour dire « Allô, je veux changer de pilule, vite, je veux le rendez-vous le plus rapide !» En vrai, j'ai pas dit ça, j'ai eu mon rendez-vous peut-être 2 semaines après. Et pendant ces 2 semaines environ, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées par rapport à cette pilule. La dernière fois que j'avais eu mes règles avant cet événement, avant d'avoir mes règles, j'avais eu des SPM, mais de fou. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les SPM, c'est les symptômes prémenstruels. Mais moi, il faut savoir que je suis une personne qui n'a jamais eu ce genre de choses. Juste des fois des maux de ventre, mais jamais autre chose. Et là, je sais pas pourquoi, j'en avais même fait des stories sur Instagram tellement j'étais étonnée. Ça m'a duré même plusieurs jours de suite. J'avais des nausées, j'avais envie de dégueuler. J'étais vraiment pas bien et tellement pas bien que je pouvais rien faire. Genre vraiment, je pouvais tellement rien faire que je me mettais dans mon lit et je faisais rien parce que mes nausées étaient vachement fortes. Et j'ai également eu, juste avant mes règles, du coup, des moments où j'étais hyper, hyper sensible. Donc beaucoup plus sensible que d'habitude. Déjà que je suis une personne sensible, elle, c'était pire. Et je comprenais vraiment pas pourquoi. Parce que plusieurs jours de suite, comme ça, plein de trucs bizarres qui m'arrivent, je comprenais pas. J'en ai parlé du coup sur Instagram. Et vous avez été plusieurs à me dire que c'était peut-être l'arrivée de mes règles. Et ça, j'y avais pas pensé. Et justement, je vous disais, mais je vois pas pourquoi ce serait ça. Parce que j'ai jamais eu de SPM comme ça. Et après, il y en a aussi qui m'ont dit, Maëva, c'est peut-être ta pilule. Mais moi, je vous ai pas écouté. Parce que je suis têtue. Et je vous ai dit, mais je vois pas pourquoi ce serait ma pilule. Parce que genre, ma pilule, je la prends depuis janvier. J'ai jamais eu de problème, genre. Et puis même, je faisais le parallèle avec mon ancienne pilule que je l'ai pris pendant 3 ans. Je disais, mais avant, même avec mon autre pilule, j'avais pas de problème. Donc je vois pas pourquoi là, j'en aurais. Maëva, ce n'est pas la même pilule. C'est normal que tu ne réagisses pas forcément pareil. Et en fait, du coup, il y en a qui m'ont confirmé par message que les effets indésirables ressentis par la pilule arrivent généralement vers 5-6 mois. Donc c'était pile le moment où j'ai ressenti tous les effets indésirables de ma pilule. Et du coup, ça, j'ai voulu me l'entrer dans le crâne bien après. Quand j'ai vu justement que j'avais pris beaucoup de poids, je me suis dit, mais attends, mais peut-être qu'ils avaient raison. Et à un moment aussi, je fais un TikTok très rigolo, allez me suivre sur TikTok parce que je suis hilarante sur ce réseau. Et je fais un TikTok qui parle de cul, et en gros ce que disait le TikTok c'était que souvent j'avais tendance à bouger mon gros boule devant mon copain juste pour l'exciter, alors qu'en fait je n'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai juste envie de me rassurer et de savoir que je suis une meuf hyper sexy. Et du coup dans la description de ce TikTok, je voulais faire une espèce de blague en marquant genre hashtag j'ai pas ken depuis des mois, vu que justement je veux juste me rassurer. Je sais pas si t'as compris, mais je crois que c'est pas très drôle en fait. Heureusement que je l'ai pas fait. Et justement, j'ai réalisé en voulant faire cette blague, que c'était pas une blague. Et que ça faisait des semaines qu'aucun zizi n'avait touché mon corps. Parce que dernièrement, je n'avais aucune envie d'avoir un zizi en moi, sur moi, peu importe de voir un zizi. Et même, ça me dégoûtait un petit peu. Donc tout ça se traduit en gros par ne plus avoir de libido. Et sur le coup, je me suis dit que c'était normal. Sauf que quand ça fait autant de temps comme ça, je commençais un petit peu à me poser des questions et à me dire, mais attends, ça ferait pas une troisième chose bizarre qui m'arrive en un très petit laps de temps? La pilule de l'enfer m'avait aussi retiré ma libido. Après avoir réalisé ça, je me suis dit, je vais quand même essayer. On a essayé de m'exciter un maximum, de prendre le temps, de machin. J'ai même essayé d'incruster des petits sextoys et tout, parce que les sextoys, généralement, t'as juste à rajouter un petit truc qui vibre en bas et puis d'un coup, c'est le corps, il frétille et tout. Il a envie. Et là, vraiment, ça me faisait rien. Mais je vous jure que j'imitais du mien. J'essayais vraiment de me détendre au maximum. Ma libido, elle était off. Et du coup, j'étais vexée. Même pour mon partenaire, ça me faisait chier. J'étais en mode, je peux même pas t'offrir ce dont tu as envie. Parce que lui en avait envie du coup. Mais moi, j'en avais pas envie. Donc forcément, on faisait rien quoi. Quand j'ai réalisé que j'avais pris du poids, ça a été franchement difficile. Je pense que j'ai jamais autant complexé que j'ai complexé à ce moment-là. Parce que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais j'ai jamais été
été une personne complexée. Mais par contre, là, quand j'ai vu que j'avais pris plusieurs tailles de jeans, j'ai vraiment commencé à me sentir mal. Et je me disais, en fait, le truc, c'est que comment ça se fait que je l'ai pas remarqué? Je me dis, si moi je le remarque pas, il y a forcément des gens qui l'ont remarqué. Enfin, quand même, plusieurs tailles de jeans, c'est impossible que les gens le voient pas. Donc, c'était surtout ça qui me faisait chier, c'était le regard des autres. Et c'est bizarre que moi j'ai peur de ça parce que j'ai jamais eu vraiment peur de ça, je crois. Même par rapport à mon copain, j'arrêtais pas de lui demander tout le temps, tu me trouves grosse, tu me trouves machin, est-ce que t'es sûr que tu me trouves belle, est-ce que tu mens pas, est-ce que tu dis pas ça pour me faire plaisir? Et même lui, ça le faisait chier. Hein. Vraiment, je le saoulais avec ça. Et je comprends parce qu'au bout d'un moment, il arrêtait pas de me répéter qu'il me trouvait très bien. Et moi, j'arrêtais pas de dire, mais non, je suis moche, tu dis ça pour faire plaisir. Enfin, supportable. Et du coup, ouais, je commençais à faire des choses que je ne faisais jamais avant, c'est-à-dire me regarder dans le miroir avec dégoût. Je sais pas, j'avais vraiment du mal avec ce que je voyais dans le miroir. Surtout quand je suis tombée sur une archive d'une story Instagram que j'avais postée l'été d'avant, donc l'été 2020, et je me suis pas reconnue. Je voyais cette personne et je la trouvais belle, je la trouvais fine, et je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait trop du mal. Genre, ça m'a fait trop de mal de me voir comme ça et de voir que j'étais plus pareille. Genre, en fait, je pense que ça a été tellement brusque que ça a été encore plus difficile à encaisser, surtout qu'encore une fois, je faisais vraiment attention à mon alimentation et à faire du sport, quoi. Donc je pense que ça a été encore plus brusque dans ma tête et encore plus difficile à accepter. Et même quand je me suis vue, je me suis dit, mais comment j'ai pu oser dire que mes cuisses étaient grosses? Non, mon corps était fin. Et c'était hyper bizarre ce qui se passait dans mon cerveau, parce que autant justement, des fois j'avais ce genre de pensée en mode, je suis dégueulasse, je me dégoûte devant le miroir. Et autant des fois j'avais des moments où je m'en battais les couilles. Je mettais quand même mes crop tops dehors, j'allais faire des réels Instagram où j'allais montrer mes petits défauts entre de gros guillemets, et je m'en battais les steaks parce que pour moi c'était qu'une façade, en fait c'était pas quelque chose d'important, et même si j'avais pris du poids, ben c'était pas grave. Et c'était vraiment les montagnes russes dans ma tête, parce que des fois il y avait le côté positif qui venait, le côté négatif, et c'était chiant parce que ça me faisait hyper culpabiliser d'avoir toujours été la meuf pas complexée par son corps, qui prône le body positive et tout sur ses réseaux, et au final de commencer à ne pas aimer mon corps juste parce que il avait grossi. Et je me suis sentie ridicule. Juste pour deux bourrelets, Maëva, tu te gâches la vie comme ça? C'est nul. Et aussi, j'avais pas que pris du poids, mais j'ai également des vergetures qui sont apparues sur les mollets. Encore une fois, je me suis sentie mal, je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'exploser, je suis un gros tas de graisse. Et donc, petit à petit, je commençais à perdre confiance en moi. Mais en même temps, je pense qu'il y avait la Maëva du passé qui était là en mode, Maëva, non, tu es belle comme tu es, on s'en fout que tu es grossi. Et puis la Maëva actuelle qui était là, je suis dégueulasse, c'est difficile, gna. Et puis est arrivé le fameux jour qui m'a fait énormément de mal. Je suis allée chez mes parents, donc à Royan. Je retourne chez mes parents une fois par mois. Un membre de ma famille m'a très gentiment dit en gros que j'étais devenue énorme, que j'avais pris énormément de poids, tout en me regardant avec dégoût de haut en bas. Sur le coup, ça m'a vraiment achevé. Genre vraiment, déjà que j'avais du mal et que dans ma tête c'était hyper instable, là le fait que ce membre de ma famille m'ait dit ça, ça m'a fait trop de mal. Donc pour vous dire, quand ce membre de ma famille m'a dit ça, j'étais comme ça corporellement. Faut pas abuser là. Et sur le coup, ça m'a fait du mal parce que je me disais, mais déjà, à quel moment tu peux oser dire ça à quelqu'un sans savoir le rapport qu'il a avec son corps, sans savoir s'il a confiance en lui, confiance en elle? C'est hyper maladroit et faut faire gaffe avec ce genre de paroles, parce que c'est en disant ce genre de choses que certaines personnes finissent par se sous-alimenter, par prendre des cachets de merde, ce que j'ai déjà voulu faire. Quand j'allais pas bien, je me disais, je vais peut-être prendre des coupes fin, je vais peut-être moins manger. Et quand le membre de ma famille m'a dit ça, je me suis dit, j'arrête de manger. Et c'est trop nul, vraiment, ne dites pas ça. C'est méchant, vous n'avez aucun commentaire à faire sur le corps des gens tant que vous n'êtes pas dans ce corps-là. C'est pas parce que ce corps vous convient peut-être pas que vous avez le droit. Et puis même, c'est tellement ridicule de dire à quelqu'un qu'il est énorme, genre, en quoi ça te pose problème? C'est pas toi, et puis c'est qu'un corps, c'est rien, ça change pas la personne que je suis toujours une personne géniale, marrante, drôle, intelligente. Et toi, tu juges parce que j'ai pris deux bourrelets? Au début, je vous avoue que j'ai commencé à manger un peu moins, mais je me suis vite rendu compte que c'était ridicule. J'ai recommencé à manger normalement, juste à manger bien, comme je le faisais avant, c'est-à-dire manger sainement et faire du sport. Je vous ai partagé tout ça, donc sur mes réseaux encore une fois, et vous avez été tellement à m'envoyer du soutien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas mal de messages non lus sur Instagram que je n'ai pas pu lire, mais je vais prendre le temps de les lire, et je suis désolée si je prends du temps. C'est pas facile vraiment, parce que vous avez été des centaines. Je pense que j'ai jamais autant reçu
reçu de messages, à m'envoyer des petits mots qui m'ont beaucoup beaucoup touchée et qui m'ont beaucoup aidée. J'ai également reçu des petits mots d'autres membres de ma famille qui m'ont beaucoup soutenue. J'ai reçu des mots de mes amis. J'ai été vachement soutenue par les personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là, par mon frère même, par mon copain bien évidemment, également par ma belle famille, enfin la famille du côté de mon copain. Ça m'a vraiment touchée. Et en fait, recevoir toute cette vague d'amour et recevoir aussi beaucoup de messages qui étaient très sensés, ça m'a déjà fait déculpabiliser avec le fait de culpabiliser parce que j'étais une meuf qui prenait le body positive sur mes réseaux et qui en même temps n'avait pas confiance en moi. J'ai reçu plusieurs messages d'abonnés qui m'ont dit « Mais Maëva, c'est pas parce que tu prônes ces belles choses que t'es obligée d'avoir confiance en toi. La confiance en soi, elle est pas stable. Genre, ça arrive d'avoir des moments où ça varie et tout. » Et j'ai également beaucoup travaillé sur moi-même. En très peu de temps, je me suis dit « Mais Maëva, c'est ridicule. » Genre, franchement, tout allait bien dans ma vie. À ce moment-là, tout va toujours bien dans ma vie d'ailleurs. Il y a trop de choses qui se passent bien dans ma vie pour que je me la gâche à cause d'une façade, à cause d'un corps. C'est ridicule. Et à ce moment-là, du coup, le côté positif de mon cerveau a commencé un peu plus à prendre sa place et à tabasser un petit peu le côté négatif. Donc aujourd'hui, le côté positif est plus présent. Même si le côté négatif est toujours là, je pense qu'il va bientôt dégager. Donc il y a aussi pas mal d'abonnés qui m'ont dit que ces montagnes russes, au niveau de ma confiance en moi, au niveau de mon moral, c'était aussi peut-être dû à ma pilule, ce qui est peut-être vrai. Enfin bon, enfin est venu le jour où je suis allée chez ma sage-femme pour changer de pilule. Donc je lui ai fait part de tous les effets indésirables que j'avais eu. Et du coup, j'ai demandé à reprendre la Lilougé. J'avais pas envie de prendre une autre pilule. Je voulais reprendre la Lilougé parce que je savais que quand je l'avais prise la première fois, j'avais pas eu de problème. Et ce qui est très très cool, c'est que ma sage-femme m'a dit qu'elle existait en continu. Donc c'est très très cool parce que ça me permet d'éviter de l'oublier au maximum, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Quand elle m'a prescrit la Lilougé, j'avais pas encore terminé ma plaquette au petit drill, donc elle m'a dit en gros qu'il fallait que je termine cette plaquette avant de commencer la Lilougé. Donc pour le moment, ça fait même pas un mois que je prends la Lilougé, mais j'ai déjà vu quelques changements, donc pas physique. Je pense que ça se ressentira peut-être plus tard. Après, peut-être que mon poids, je vais le garder, mais franchement, plus le temps passe et plus je l'accepte et ça va mieux avant. Je me dis que même si au pire j'ai pris du poids, ça va pas me tuer de racheter des jeans. C'est pas grave, il faut que j'arrête de m'accrocher à ces anciens pantalons. Ce que j'ai ressenti, surtout les changements, c'est ma libido qui est revenue il y a très peu de temps. Elle est revenue il y a moins d'une semaine là, alors que ça faisait perpète que je n'avais plus envie. Du coup, ça m'a fait trop bizarre sur le coup, je comprenais pas la sensation. Je vous jure, ça m'a fait trop bizarre, mais j'étais contente. Et même le lendemain, j'en avais encore envie, et le surlendemain, et le machin, et j'étais trop contente parce que je me suis dit, mais c'est bon, c'est la fin de mon enfer. Genre, enfin, je reprends une pilule qui me convient. Donc je suis vraiment contente, je suis vraiment rassurée, et rien que le fait que ça aille mieux mentalement, ça me permet aussi d'accepter beaucoup plus facilement mon corps. Et j'espère que je n'ai rien oublié à cette vidéo. Je pense qu'on arrive à la fin parce que j'ai plus grand chose, je pense, à dire, mais si j'ai oublié des choses, je vous rajouterai ça dans la barre d'information. Donc voilà, j'espère que mon expérience vous aidera, vous aura intéressé. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas parce que ça s'est déroulé comme ça pour moi avec cette pilule que ça va se dérouler pareil de votre côté. Je répète qu'il y a des personnes qui prennent cette pilule et qui le vivent très bien. Je connais aussi des personnes qui prennent la Lilougé et qui ne la supportent pas du tout, qui n'ont plus de libido ou des trucs comme ça. Donc vraiment, ce qu'il faut faire pour trouver la pilule qui nous convient, c'est tester. Si ça vous convient pas, changez jusqu'à trouver la pilule qui vous convient. Donc après, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que des contraceptions hormonales. Faites aussi attention en utilisant ces modes de contraception là à vous faire dépister, donc régulièrement, afin d'être sûr de ne pas avoir de maladie, parce que certes, c'est cool d'avoir des rapports non protégés, mais il faut le faire de manière safe. J'espère aussi que vous avoir un petit peu parlé de rapport à mon corps vous a aidé, parce que je sais que sur Instagram ça a aidé beaucoup de gens et j'en suis vraiment contente. J'espère que vous allez comprendre, j'espère vraiment que ça va pas faire culpabiliser certaines personnes, parce qu'on a le droit de ne pas avoir toujours confiance en soi. Tout ça, ça se travaille. Ce qui est important, c'est justement d'en parler pour évacuer toutes ces mauvaises ondes et accepter aussi les conseils et les bonnes ondes qui veulent nous être transmises, parce que quand tu les acceptes, je peux vous assurer que ça fait vraiment beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aider. Encore une fois, j'espère ne rien avoir oublié, mais du coup cette vidéo touche à sa fin. Je vous fais de très très gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux, vous abonner. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau vlog et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Facecam. Bisous.